Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Le Pen, Monsieur bonsoir. Le Pen, je vous en prie. Bonsoir. Merci, pardon. Asseyez-vous. Alors, votre fille Marine a été réélue ce week-end avec 100% des voix lors du 15e congrès du Front National. C'est un score qui vous réjouit ? 100% des votants. Des votants, oui. Bien sûr, bah oui, il n'y avait qu'une seule candidate. Et vous avez voté pour elle ou vous faites partie des 17 non-votants sur les 22 329 ? Non, ce n'est pas un secret, j'ai voté pour elle, oui. 100% des suffrages exprimés, un seul candidat, en l'occurrence une candidate, c'est très démocratique tout ça ? Oui, je trouve, oui, bien sûr, comment peut-être autrement ? Il pourrait y avoir plusieurs candidats. Comment ? Il pourrait y avoir plusieurs candidats. Ah ben, il fallait susciter des candidats, quand il n'y en a pas. Marine Le Pen a une telle aura dans le mouvement que personne ne s'est opposé à elle. Personne n'ose s'opposer à elle. Elle avait eu un candidat la dernière fois qui était M. Goldisch. Quand j'ai passé la main, si je puis dire. Vous aviez soutenu Marine Le Pen à l'époque. Et donc Marine Le Pen était élue, démocratiquement. Et puis cette fois-ci, ben, elle n'avait pas de candidat contre elle. Ce qui prouve tout de même qu'elle est un chef incontesté du mouvement, que personne n'a eu l'intention de se présenter contre elle. Elle n'a pas d'opposition. Ce n'était pas tout à fait démocratique, en tout cas aux yeux de Nicolas Sarkozy. C'était l'autre élu du week-end, Nicolas Sarkozy, puisqu'il reprend la présidence de l'UMP. Et il l'a dit hier, aux 20h de TF1. Certes, je n'ai pas fait 100% comme Mme Le Pen. J'ai appris qu'il y avait eu 17 personnes qui s'étaient abstenues. Quelle curieuse conception des élections. Un candidat, pas d'opposant. C'est plus facile de gagner les élections. Voudriez-vous un parti politique où on succède de père en fille, de fille en petite fille, où il n'y a pas le droit d'avoir d'autres candidats ? Pas le droit d'avoir d'autres candidats. C'est curieux que ce garçon ne peut pas s'empêcher de mentir. Il ment naturellement. Toutes ses phrases. Il y a un mensonge dans chaque phrase. Et il n'a pas 17 abstentions, puisqu'il y avait 45 000 électeurs inscrits. Il y a eu. Je rappelle simplement. 17 que, non exprimés et 22 329 abstentions. On ne reçoit pas de leçons de moralité, même politique, de l'UMP, et en particulier de M. Sarkozy. Alors ça, c'est clair. Alors je rappelle quand même qu'il y avait des tas de gens qui n'ont pas voté. Marine Le Pen a eu 100% sur les 22 000 et quelques électeurs qui se sont manifestés. Je rappelle qu'il y avait 101 votes à émettre. Il y avait un vote pour la présidente et 100 votes différents, 400 candidats pour 100 places. C'est très démocratique et d'ailleurs tout ça a été dûment qualifié, je crois. Donc le Congrès a élu Marine Le Pen, votre fille à la tête du parti, et Marion... Elle a réélu. Réélu, oui, parce qu'elle avait déjà été élue en 2011. Et Marion Maréchal Le Pen, votre petite fille, est arrivée en tête aux élections du Comité Central, qui est une sorte de parlement du Front National. Est-ce qu'il faut s'appeler Le Pen pour réussir au Front Écoutez, National? Écoutez, on y pense là, pour la petite Olympe, là, qui vient quelques semaines, pour dans une vingtaine d'années la préparer à prendre la suite, oui. Non, mais ça semble quand même une dynastie presque héréditaire. Non, ce n'est pas héréditaire du tout, mais quand on est dans l'opposition, il y a peu d'ambitieux pour venir vous aider à combattre. Alors les combattants se font d'ailleurs dans la famille. D'ailleurs, je rappelle que Marion ne voulait pas être candidate dans le Vaucluse et que je lui ai dit « Comment veux-tu que nous demandions aux jeunes d'être candidats ou d'être engagés politiquement si les nôtres ne s'engagent pas ?» Elle m'a dit ça, c'est un bon argument. Et elle s'est présentée, elle a été élue. Vous lui voyez quel avenir à Marion Maréchal Le Pen, votre petite fille ? Je ne sais pas, ça, mon Dieu. Je crois que c'est une jeune femme très brillante, très douée. Je ne sais pas, le destin décidera pour elle. Mais... Vous parlez de l'avantage des dames dans les élections en général. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Le Pen ? L'avantage des femmes ? Des dames, oui. Vous avez employé le mot dame. Je crois qu'on est dans un pays quand même qui se féminise, il faut dire la vérité. Je crois que monsieur Zemmour a dit ça très bien, d'ailleurs. Et que les femmes apparaissent comme des, à tort quelquefois d'ailleurs, comme des êtres beaucoup plus consensuels que les hommes, encore des gens comme Mme Thatcher ou Mme Merkel, qui sont des gens relativement énergiques, il faut le dire. Moi je suis assez féministe. Mais contrairement à Éric Zemmour. Je suis fils d'une veuve de guerre, j'ai eu deux femmes, j'ai eu trois filles, par conséquent, j'ai vécu dans un univers féminin. Et Marine Le Pen sera la première femme présidente de la République française, selon je vous ? Je pense qu'elle peut l'être. Je pense qu'elle peut l'être pour des raisons qui sont contrastées, d'ailleurs. D'abord, à cause de la dynamique du Front National et de ses qualités propres. Mais aussi à cause de l'effondrement de ses adversaires, y compris quand ils vont être retapissés par M. Sarkozy. C'est une question qui m'inquiète un peu, c'est de savoir si la nouvelle formation politique éventuelle va répondre des dettes qu'ont fait les gens de l'UMP, parce qu'il y a 43 millions de dettes, je crois, il faudra que ça se paye quand même.
Mais Marine Le Pen a ses chances aux élections présidentielles parce qu'elle est moins impopulaire que vous. Vous savez, impopulaire, j'ai dû faire. Je suis arrivé en tête aux élections européennes à la proportionnelle dans ma région, j'ai fait 33%. Je ne suis pas si impopulaire que ça. Dans tous les sondages, vous étiez régulièrement en bas du classement des personnalités politiques préférées des Français. C'est Goldman, je crois, qui est en tête. Des personnalités politiques. Je ne vous comparais pas aux chanteurs, monsieur Le Pen. Écoutez, on trouve ce qu'on apporte. Moi, je suis très peu invité sur les médias. Par conséquent, on parle moins de moi. Mais j'ai eu mon heure de notoriété. Je me passe très bien dans l'humilité de la fonction qui est la mienne. De président d'honneur, mais oui, je suis encore efficace sur le plan électoral, tellement efficace que j'ai même l'intention encore d'être ma locomotive aux élections régionales, avec l'ambition... – De gagner. – De gagner, oui, et de prendre la région. – Donc la retraite, vous n'y pensez pas, monsieur Le Pen? La retraite, vous n'y pensez pas? – Oh, j'aurais dû prendre ça il y a une vingtaine d'années. – Mais c'est vrai que votre petite fille avait envie de se présenter au régional, vous lui avez dit non, je fais encore ce tour-là. – Pas du tout. C'est Marine qui lui avait demandé, comme on n'avait pas parlé de la question, Marine a pensé que j'allais peut-être ne pas être candidat, gagnant un repos bien mérité. Non, pas du tout. J'ai dit non, je pense que je serai candidat, parce que je pense qu'il faut une grande dynamique pour gagner une région qui est socialiste depuis 3 élections. C'est pas évident. Alors le fond, si on parle du fond, monsieur Le Pen, est-ce que vous pesez encore sur la ligne du parti, sur les propositions qui sont formulées par l'équipe dirigeante du Front National? Oui, je donne mon avis. Vous donnez votre avis? Je donne un avis qui a un poids particulier, qui est celui qu'on acquiert, hélas, qu'avec le temps. C'est celui de l'expérience. J'ai quand même fondé le Front National, je l'ai dirigé pendant 42 ans. J'ai conduit beaucoup d'épreuves, des dissidences, des choses comme ça. Je donne un avis qui, je crois, est relativement important dans la maison. Et je ne sais pas, je n'ai que l'influence qu'on veut bien m'accorder. Je voudrais développer deux points particulièrement. Si on regarde les idées qui sont les vôtres, celles qui vous ont permis d'emporter vos premiers succès électoraux dans les années 80 et celles de Marine Le Pen aujourd'hui, il y a un aspect de votre programme qui n'a pratiquement pas varié, un domaine et non des moindres, c'est celui de l'immigration. Mais pour le reste... Quand on entend les propositions sociales de Florian Philippot ou de Marine Le Pen qui semblent puiser au front de gauche, ça n'a plus grand-chose à voir avec votre Front National, celui qui était d'inspiration très libérale, qui réclamait le retrait de l'État, un programme de privatisation, la retraite à 70 ans, l'abrogation des 35 ans. Vous avez même suggéré le passage à la semaine de 42 heures. Et puis, autre aspect, sur le plan international, c'est quasiment... une sorte de renversement d'alliance. Vous avez été très atlantiste, vous étiez fier d'avoir eu un rendez-vous avec Ronald Reagan, et farouchement anticommuniste, toujours prompt à dénoncer la menace militaire que les soviétiques faisaient peser sur l'Europe, et on retrouve aujourd'hui un Front National allié privilégié et créancier d'un Poutine ancien du KGB, nostalgique de l'URSS, qui annexe la Crimée et rêve de démanteler l'Ukraine. Est-ce que vous reconnaissez votre Front National, Jean-Marie Le Pen ? Il s'est passé plus de 40 ans. Depuis la fondation du Front National. Et pendant ce temps-là, voyez-vous, il s'est passé dans le monde un certain nombre d'événements capitaux. En particulier, l'effondrement du communisme, la fin de l'URSS, qui ont justifié le fait que, en effet, partisans de l'Alliance Atlantique, quand nous étions à 300 km menacés par les blindés soviétiques, oui, en effet. Aujourd'hui, la Russie n'est plus menaçante. À partir du moment où il n'y a plus d'Union soviétique, la Russie n'est pas l'Union soviétique. Faire croire que Poutine, c'est Staline, c'est jouer sur les mots. Mais elle n'est plus menaçante pour les franges de l'Europe que vous défendiez pour l'Europe de l'Est. Tout. C'est l'Europe qui joue à provoquer la Russie. Et en particulier dans l'Ukraine, qui est un pays où la Russie est née, je me permets de vous le rappeler. Et moi, j'ai dit dans cette affaire, c'est une affaire de famille. C'est comme dans un divorce d'amis. Il ne faut pas s'en mêler, autrement on se fait deux ennemis mortels à chaque côté. C'est une affaire de famille entre la Russie et l'Ukraine. C'est à eux de régler. L'histoire de la politique de Poutine à l'égard de l'Ukraine, je trouve ça absolument normal. L'annexion de la Crimée, mais ça écoutez, vous paraît normal. La Crimée a toujours été russe. C'est M. Khrouchtchev, un grand démocrate, qui a décidé administrativement de la rattacher à l'Ukraine pendant quelques années. Et puis, après ça, il y a eu des élections, parce que Poutine a respecté strictement le logiciel démocratique.
Et c'était évident que la Crimée. Bon, alors il y a élections étaient libres en Crimée. Il y a la question du Donbass, qui est une question très inquiétante, Donbass, en rappelant quand même que le pouvoir en Ukraine est un pouvoir insurrectionnel, n'est-ce pas, qui a renversé Yanukovych, pour lequel je n'ai aucune sympathie. Ce sont les thèses russes, on les reconnaît parfaitement. Qui a renversé le président élu et qui l'a forcé à s'enfuir. Par conséquent, bon, c'est une affaire. Un dernier mot là-dessus, l'argent russe qui vient renflouer les caisses du Front National sans doute avec l'aval du Kremlin, ça ne vous gêne pas. Les caisses du Front National n'ont pas à être renflouées. Quand le Front National a eu des dettes, il a vendu son actif, en particulier son siège social, c'était moi qui étais le président, et il a payé ses dettes, rubis sur l'ongle. Nous sommes emprunteurs sur le marché financier, mais il se trouve qu'en France, les banques refusent de prêter de l'argent, soi-disant, aux partis politiques. Moi, je crois que c'est surtout au Front National, mais aux partis politiques, depuis les affaires Big Malion, qui ont illustré l'honnêteté de l'UMP, vous savez. Et donc, nous sommes emprunteurs. Eh bien, moi, j'ai trouvé une banque qui acceptait de prêter à Cotelec, qui est un organisme lui-même prêteur aux élections. C'est une banque russe, mais... Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux bien une banque américaine, une banque néo-zélandaise, australienne, pourquoi pas, italienne. En l'occurrence, ça ne vous oblige à rien. Pardon? Ça ne vous oblige à rien. Ça ne m'oblige strictement à rien qu'à payer un intérêt, c'est tout, comme c'est normal. Revenons sur le congrès du Front National ce week-end. Un hommage vous a été rendu avec la projection d'une vidéo de plus de 3 minutes qui retraçait votre parcours. Et je dois avouer que les extraits choisis étaient assez étonnants. On regarde, on en reparle. Ce n'est pas vrai. Ils sont là, au vu de la charge brutale que vous avez faite. On en diffuse qu'un extrait, mais ça durait 3 minutes. Le slogan des contre-manifestants, ça c'était pour Le Pen, une balle, le FN, une rafale. Oui, on a vu c'était aussi, leur slogan, ça. On a reconnu aussi les images de la campagne législative de Mantes-la-Jolie en 1997. C'est là où le slogan des manifestants était pour Le Pen, une balle, le FN, une rafale. Ils avaient même une banderole qui portait ça. Oui, enfin, vous avez fait le coup de poing et vous avez été condamné pour cela. J'ai fait le coup de poing avec des hommes qui me combattaient. Mais vous avez été condamné, M. Le Pen. Oui, c'est une preuve, ça. Non, écoutez, c'est la justice qui parle. C'est une condamnation, d'ailleurs, qui devrait ouvrir lieu à une réfaction. J'ai été condamné pour avoir, soi-disant, agressé, même pas, exercé une violence verbale à l'égard d'une fonctionnaire. Enfin, Monsieur Le Pen, en exercice de ses fonctions, ce qui est faux. Il ne s'agit pas de réouvrir ici le dossier judiciaire. Non, on voulait juste vous montrer ces images qui ont été choisies par l'équipe du Front National. C'est pas nous qui les ont choisies. Ben, cette ambiance de violence, ce sont les images choisies par l'équipe du Front National pour vous rendre hommage. Et on pensait que ces images de Le Pen qui donnent le point, c'était plutôt des images qu'on voulait oublier au Front National. Or, elles ont été mises en avant ce week-end. On n'oublie pas la réalité, nous sommes tels que nous sommes. Quelquefois caressants, quelquefois brutaux, c'est la vie, ça. Vous auriez choisi les mêmes extraits si vous aviez fait le montage vous-même, monsieur Le Pen ? Non, mais écoutez, je ne savais même pas que ça avait été projeté avant mon discours. Je croyais que c'était quelque chose de spécial et on m'a dit que c'est ce qui avait été projeté pour les 40 ans du Front National. Ah bon, très bien. Ce n'est pas moi qui l'ai sélectionné. Et la musique de Boney M qu'on entend, vous ne la connaissez pas cette musique? C'est quoi? Sunny de Boney M et on y trouve des phrases comme I love you, je ne vais pas vous traduire, ça vous comprenez. Ou tu es l'étincelle du feu en moi, tu es mon doux désir complet, mais aussi les jours sombres sont passés et les beaux jours sont là. Ça vous inspire quoi? Les jours sombres du Front National sont passés et les beaux jours sont là? Je ne sais pas, je crois malheureusement que les jours sombres pour notre société, pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde, sont plutôt, je crois qu'ils sont sombres, voilà. Et c'est un peu mon rôle de lanceur d'alerte. Moi, je ne berce pas les gens d'illusions. Je leur dis des choses dures quelquefois, parce que la réalité qui est prévisible est cruelle. Voilà. Elle vient de l'explosion démographique du monde, qui compte maintenant 7 milliards d'habitants, et va provoquer sans doute des graves confrontations, parce que le monde ne cesse de s'appauvrir, et des torrents migratoires que nous devons prévoir si nous voulons subsister dans notre existence et même notre liberté élémentaire. C'est un drôle dommage quand même, non? Vous n'avez pas le sentiment que c'est une façon de vous indiquer la sortie?
Quand on dresse comme ça, quand on dresse le portrait d'un homme, qu'on retrace sa carrière en images avec une musique... C'est la deuxième fois qu'ils leur parlent, ils n'ont que ça, ils n'ont pas de sous pour faire des films. Ils prennent dans les tiroirs ce qu'ils ont à leur disposition. Est-ce que vous avez le sentiment de gêner Marine Le Pen, comme certains militants du Front National peuvent le penser, en disant que vous êtes un obstacle politique à sa progression ? Écoutez, non, je ne crois pas. Écoutez, moi, je suis un homme libre, voilà. Je n'ai jamais été invité ni à l'ambassade de Russie, ni à l'ambassade des États-Unis. Et je m'en passe très bien. Je dis ce que l'ambassade de Russie, pardon, on a vu des dirigeants du Front National. À l'ambassade de Russie, on a vu des dirigeants, des responsables du Front National. Je parle de moi. D'accord. Est-ce que je gêne, gêne Madame Le Pen ? Je ne crois pas. Peut-être que je la gêne. C'est possible. Vous ne savez pas. Tant pis, il faudra qu'elle s'y fasse. Ben oui. J'essaye, moi, de ne pas la gêner, parce que ce qui m'importe beaucoup plus que Marine Le Pen, c'est la cause de la France. C'est la cause de son redressement. Et quelquefois, même, j'ai envie de dire des choses que je ne dis pas, justement pour ne pas gêner la présidente et pour rester, grosso modo, dans la ligne générale du mouvement. Il y a des choses que vous ne dites pas. Quelquefois, oui, c'est vrai. Quelquefois, je ne suis pas d'accord, ben j'évite de le dire publiquement. Je lui dis au creux de l'oreille, affectueusement. Sur quel thème en particulier ? Ça dépend. C'est très varié. En quel thème vous êtes avec Marine Le Pen ? Oh bon, je crois. Vous évoquez des rapports affectueux. Paternels de ma part, filiaux de sa part, du moins, je l'espère. Parce qu'on vous avait dit un peu, dans des rapports un peu tendus cet été, à la suite de l'une des dernières, de vos dernières déclarations assez provocantes, non, sur la fournée concernant Patrick Bruel. Non, rien de provocant pour des gens qui savent parler français. Malheureusement, il y a maintenant un fossé d'inculture qui se crée entre les générations. Nous n'avons pas appris à l'école de la même manière les mêmes choses. Et il y a une certaine incompréhension qui naît dans le vocabulaire, les gens ne sachant pas tout à fait, n'ayant pas tout à fait les mêmes sources. J'ai noté, moi, depuis 4 ou 5 occasions, des journalistes de la télévision ou de la presse qui ont utilisé le terme de fournée dans l'acception dans laquelle je l'avais prononcé, c'est-à-dire un groupe de gens. Voilà, c'est pas du tout... La fournée dans notre pays, c'est le boulanger. C'est une image plutôt sympathique et agréable à l'odorat. Qui avait échappé notamment à votre fille, Marine Le Pen, puisqu'elle avait considéré que c'était une faute politique. Elle a été victime d'une mauvaise interprétation qui lui a été suggérée. Je le lui ai non seulement dit, mais je lui ai même écrit. Oui, on se souvient, une lettre, vous l'avez, dans laquelle vous utilisiez le mot. Elle a fait retirer vos interventions vidéo du site du Front National. Non, elle l'a fait retirer sa responsabilité. Mais même, quand vous allez sur le blog du Front National, vous appuyez sur un bouton, vous voyez, blog de Jean-Marie Le Pen. Si vous appuyez dessus, vous avez mon blog toutes les semaines. Ça s'appelle un lien. C'est le 180e, 182e, je crois. Donc vous continuez. Lien à retrouver sur le site du Front National. Merci, vous restez avec nous.